Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle web émission Artiste-auteur, un statut, la web émission dédiée à vos métiers de la création. Ce soir, nous allons aborder un sujet que vous attendiez tous, le sujet le plus glamour de l'année, j'ai nommé la fiscalité. Alors la fiscalité, comment dire, c'est un peu la web émission qu'on attendait avec une certaine impatience de faire, que nous avons programmée alors que les déclarations d'impôts vont arriver justement et que ça va être l'heure de passer à nos charmants formulaires. Et c'est en général le sujet qui panique le plus nos professions. Comme le social, le fiscal fait partie d'un domaine sur lequel très souvent vous avez de nombreuses questions qui peuvent paraître floues, sur lesquelles les interprétations qu'on a pu entendre ces dernières décennies sont parfois contradictoires. Alors l'idée ce soir, c'est de se réunir, que vous pouviez poser toutes vos questions à travers le chat, même les plus techniques, puisque nous sommes en compagnie d'une brochette d'experts. Tout d'abord, Manu, auteur. Bonsoir Manu. Bonsoir. Aussi connu sous le surnom de Tonton Fiscal, qui a rédigé pour la Ligue des auteurs professionnels des petits guides de fiscalité qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Nous sommes également en compagnie de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonjour à tous. Stéphanie qui est avocate, qui a une spécialité justement en fiscalité et qui va pouvoir éclairer un certain nombre de points techniques. Et nous sommes avec la prêtresse de la fiscalité du CAP, je nommée Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Je connais peu de personnes qui connaissent aussi bien le code des impôts que toi. Et le code des impôts en général, non, mais les... Oh, mais je suis sûre que si, voyons. Mais vraiment, en termes de fiscalité, c'est vrai que le CAP a une expertise très, très pointue. Hein. De très nombreux artistes-auteurs vont souvent sur le site de votre syndicat pour obtenir des informations qu'ils n'arrivent souvent pas à obtenir ailleurs. Et donc, avec ces trois profils assez différents, on espère pouvoir vous apporter des éclairages aussi bien, je dirais, pratiques que théoriques. Mais alors, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être démarrer par toi, Manu. Est-ce que tu peux nous dire de manière vraiment spontanée, toi, comment tu as découvert dans ton métier la fiscalité ? Quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'ai fait ce qu'on me disait de faire, plus ou moins, c'est-à-dire pas grand-chose. À l'époque, on ne déclarait pas forcément les trucs, y compris quand on avait des bourses, qui ne déclaraient pas les diverses cotisations. Au bout d'un moment, les impôts m'ont appelé, m'ont dit « Ah bah, vous n'êtes plus en BNC, vous êtes en TS, etc. » Donc, voyez, avec la GSA, c'était une pagaille pas possible. Je sais que j'ai payé plus d'impôts et plus de cotisations, donc là, j'ai senti passer. Et puis, au bout de quelques années, ça c'était de moins en moins clair. J'ai fait une formation avec la SGDL, il faut rendre à César tout ça. Et dans cette formation, il y a eu une question qui me paraissait vraiment pas très, très claire. Alors, j'ai commencé à regarder. Et donc, voilà, c'est un peu comme une drogue dure, la fiscalité. J'en ai pris un petit bout comme ça. Et je me suis dit, ah, mon Dieu. Et depuis, tu es un peu le passionné de la ça ligue me passionne. C'est vraiment le truc. Voilà, quand je m'ennuie, paf, je me relis à un BOFIP ou un truc comme ça. Non, j'aime bien quand les choses sont dans l'ordre et pouvoir éventuellement expliquer aux copains, aux collègues, aux amis comment ce qui peuvent faire, comment ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire pour s'arranger. Et à force, on se rend compte que on nous a raconté quand même quelques âneries pendant des années. Et on a, je pense, ça fait deux, trois ans en particulier qu'on en, à force qu'on dise, c'est pas logique ce que vous nous racontez. On finit par nous dire, ah oui, vous avez finalement pas raison, mais pas entièrement tort. Dans ce que tu dis, hein, pour rebondir, c'est vraiment intéressant parce que aussi loin que remontent mes souvenirs de discussions, on va dire, avec des collègues, auteurs, autrices, les questions techniques avec des zones de flou, ça revenait tout le temps. Et je me souviens très bien d'un peu ce flou autour de la note de droit d'auteur. On disait qu'il fallait mettre une note de droit d'auteur, mais alors parfois, on ne savait pas exactement comment il fallait faire, avec des questions de se dire, est-ce qu'on peut émettre, par exemple, des pénalités de retard? C'est quelque chose de très bête, mais très souvent, les auteurs et autrices, en particulier dans le milieu du livre, avaient beaucoup de questions de retard de paiement et étaient dans une situation où très souvent, ils avaient quelque part, on peut dire, des formes de clients, hein, en dehors des revenus qui venaient de tout simplement les éditeurs, les éditrices, enfin vraiment les droits d'auteur purs, et avec ces questions de flottement, de comment traiter fiscalement ces revenus et comment, quelque part, arriver à avoir tout au clair dans son régime fiscal. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, votre métier, et puis les situations auxquelles vous êtes confrontée au quotidien?
Alors moi, j'accompagne en tant qu'avocat à la fois des auteurs et aussi les fameux diffuseurs ou les exploitants qui, je vous rassure, sont autant perdus que les auteurs parfois sur les obligations qui sont mises à la charge des uns et des autres. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un régime à la fois sur le plan fiscal que sur le plan des cotisations sociales qui a été voulu par le législateur simplifié, mais qui en réalité, au fur et à mesure, s'est complexifié puisqu'on a mis plusieurs briques les unes sur les autres. Donc on aboutit finalement à un dispositif qui est extrêmement lourd, très très difficile à comprendre pour les auteurs, mais également pour leurs partenaires. Donc c'est la raison pour laquelle on a parfois d'abord des interprétations qui sont totalement différentes et des manières de faire totalement différentes, notamment d'un éditeur à un autre. Ah, Catherine, qu'est-ce que ça t'inspire, cette première intervention? Non, ben, moi, en fait, je pourrais dire que j'ai découvert il y a quelques années le flou dont vous parlez tous, parce que, étant plasticienne et ayant déjà quelques heures de vol derrière moi, avant l'article, le fameux article 93-1 quater du Code général des impôts qui explique que certains droits d'auteur peuvent être déclarés en traitement et salaire et non pas en BNC comme c'est le droit commun pour tous les artistes auteurs normalement, mais il y a cette dérogation. Et or en fait les plasticiens n'étaient pas visés par ce 93-1 quater. Donc depuis on s'est jamais posé ce genre de questions. On a toujours déclaré en fait en BNC. Donc en fait on nous a toujours appris que en début d'activité la première chose à faire c'est d'aller c'est de déclarer en fait son début d'activité. Donc ça n'a pas toujours été au même endroit, hein. Ça a varié dans le temps, je vous dis, parce que ça fait au début il fallait qu'on se déclare, moi quand j'ai commencé il fallait se déclarer à notre centre des impôts en fait et non pas au centre de formalité des entreprises. Donc c'était vraiment l'idée, Catherine, que tu démarres une activité professionnelle et tu obtiens, tu déclares un début d'activité professionnelle. C'est-à-dire comme n'importe qui, à peu près, parce que je veux dire aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui veut créer une micro-entreprise, la première chose à faire, c'est ça. Enfin, je dis ça par rapport à des activités comme ça qui sont simples. Je ne vous parle pas de créer une société ou je ne sais pas quoi. Non, mais simplement de déclarer une activité professionnelle, puisque tout revenu professionnel doit être à la fois déclaré aux impôts et cotisable socialement. Donc, quand on déclare quand on commence une activité professionnelle, c'est normal d'aller. Donc, du côté des arts graphiques et plastiques, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que la première chose qu'on nous disait, c'est tu débutes une activité, donc il faut que tu ailles la déclarer, on obtient notre numéro de SIRET, et grâce à ce numéro de SIRET, on peut faire des factures, et puis du KD. Ça s'est un petit peu complexifié parce que pendant très longtemps, on faisait nos comptes. Je veux dire, les comptes, c'est recettes-dépenses, hein. C'est pas non plus extrêmement compliqué, mais on les faisait tout simplement sur des tableurs Excel, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, où on est obligé, en fait, quand on est en tous les cas en régime des frais réels, d'avoir un logiciel de comptabilité qui est agréé par les impôts, ou plus exactement, qui... Ce logiciel doit produire un truc qui s'appelle le fichier des écritures comptables et qui est en fait toute notre comptabilité, qui peut partir en cas de contrôle, quoi. Donc ça c'est maintenant on peut plus faire nos comptes sur Excel, mais à part ça, en tous les cas, pour ce qui est d'un début d'activité, comme en plus on n'avait pas de centre de formalité des entreprises qui faisait son boulot pour les artistes auteurs, parce que le centre de formalité des entreprises, en fait, il dispatche, tu déclares ton activité, et puis du coup, ton activité est repérée statistiquement, puisque c'est quand même déjà un repérage statistique, et puis c'est envoyé aux impôts et c'est envoyé au régime social. Alors qu'avant, comme il n'y avait pas véritablement de centre de formalité des entreprises, on te disait il faut que tu ailles t'inscrire aux impôts, et puis après, il faut que tu ailles t'inscrire à la NDA. Et puis, donc, on avait du coup plusieurs. Alors que maintenant, et ça c'est récent, hein,
que le centre de formalité des entreprises fasse son boulot pour nous, ça date d'un ou deux ans simplement, qui commence à dispatcher les trucs, ce qui fait que quelqu'un qui débute, il suffit de faire ça et il est repéré, disons, à la fois fiscalement et socialement. Et après, il reçoit des nouvelles, des impôts et de l'URSSAF Limousin maintenant. Voilà. Oui, vas-y, Stéphanie, je t'en prie. Oui. Peut-être, juste pour apporter une précision, en fait, il faut rappeler qu'en France, on repose sur un système déclaratif. C'est-à-dire que la liberté de commerce et d'industrie est totalement libre en France, sauf pour certaines professions pour lesquelles il est exigé d'avoir certaines qualifications ou diplômes. Mais pour l'essentiel, l'activité de commerce et d'industrie est totalement libre. Donc en fait, dès lors qu'on démarre une activité, on demande en fait à ce professionnel de déclarer son activité, effectivement pour entrer dans le champ de l'URSSAF et pour le paiement de ses cotisations sociales, et également de se faire connaître de son centre des impôts afin de pouvoir acquitter l'ensemble des impôts commerciaux. Alors, dans le cas des artistes-auteurs, on va rentrer dans un champ de régime dérogatoire. C'est la raison aussi de ces difficultés, puisqu'il va y avoir les aménagements qu'on connaît, le précompte de cotisation sociale, la retenue TVA dont je pense qu'on va parler. Mais il faut savoir qu'à l'origine, l'auteur est considéré comme n'importe quel autre indépendant qui exerce une activité professionnelle, c'est-à-dire qu'il est censé devoir se déclarer pour faire connaître sa situation. Et puis, on va avoir ces aménagements dus aux situations de régime dérogatoire. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphanie. Mm-hmm. C'est vrai que, en tout cas, du côté du livre, mais du côté de l'audiovisuel, il me semble que c'est assez similaire par rapport mm-hmm. à l'expérience dont vient de nous parler Catherine. Mm-hmm. C'est vrai que, en tout cas, nous, personne ne nous dit au début mm-hmm. de notre carrière, vous devez faire, vous devez vous déclarer, mm-hmm. vous devrez déclarer mm-hmm. ce début d'activité. En fait, on démarre, mm-hmm. on reçoit directement. Je dirais voilà une feuille de papier par voie courrier ou par voie par mmh. mail, enfin voilà, avec une rémunération mmh. précomptée socialement mmh. et fiscalement. Ouais. Et voilà. Et après, voilà. il faut remplir voilà ces déclarations bien sûr ouais. fiscales et sociales. Mais du coup, c'est vrai que dans le parcours, là je fais une légère digression mais qui n'en est pas vraiment une hein. Quand l'URSSAF là arrive maintenant petit à petit à identifier les artistes auteurs mm-hmm. qui étaient certes précomptés mais qui pour beaucoup d'entre eux n'étaient pas identifiés par la GESA il mm-hmm. Y a beaucoup, on a vu sur les réseaux sociaux d'auteurs bon, qui ont peut-être publié il y a 10 ans un bouquin et qui ont peut-être mmh. touché en gros 10 euros de droit Sophia ou de reddition de compte cette année-là, mmh. qui disent « Mais attendez, mais moi, je ne suis pas auteur, là, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voilà. C'est quand même assez intéressant, je trouve, par rapport à ce mmh. sujet aujourd'hui, de voir qu'on a l'impression qu'on a navigué dans du flou pendant longtemps, non ? Alors, tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que disait Catherine. Elle a prononcé un mot qui est décisif, qui est le terme « professionnel mmh. ». C'est-à-dire qu'en réalité, on demande aux auteurs de déclarer leur activité lorsqu'ils sont dans un cadre professionnel. Les artistes plasticiens, en fait, n'ont pas d'autre choix de le faire. D'abord parce qu'ils ne perçoivent pas de revenus qui sont déclarés ou versés par les tiers. Les artistes plasticiens, dans la grande majorité, vivent du produit de leur art et notamment de ce qu'ils vendent. C'est vrai, néanmoins, voilà. C'est vrai, c'est l'essentiel des revenus, en fait. Des voilà. Si c'est un fonds d'œuvre originale, néanmoins, voilà. étant auteur, nous percevons droits. Aussi oui. des droits d'auteur, et donc et notamment des OGC, par exemple. Tout à fait. Non, mais à l'origine, c'est pour ça que la déclaration dans la pratique, les artistes plasticiens qui relèvent de la Maison des artistes avaient l'habitude de se déclarer tout simplement aussi pour pouvoir préciser leur statut et mettre des factures notamment. Mmh. Dans le cas des auteurs qui dépendent de maisons d'édition, il y a deux choses. C'est effectivement la raison factuelle que tu évoquais, Samantha, c'est-à-dire que l'auteur signe avec un éditeur un contrat. Dans le cadre de ce contrat, il reçoit une rémunération pour laquelle, conformément aux dispositions légales, il y a eu précompte de cotisation sociale, retenue de TVA. Et souvent, ces auteurs qui ont signé leur premier contrat ont en fait des revenus séparés, ont déjà d'autres sources de revenus, et ce revenu signé avec cet éditeur, au tout début, souvent constitue un revenu accessoire et n'est pas forcément considéré comme professionnel.
Donc, il y a la conjugaison de ces deux éléments qui fait qu'en fait, l'auteur, au début, n'a absolument pas été placé dans la voie de la professionnalisation, puisqu'il a été considéré comme le législateur, comme quelqu'un qui n'avait pas à procéder à l'ensemble de la comptabilité ou à l'ensemble des déclarations relatives à son activité. C'est intéressant parce qu'en principe, l'idée, c'est que ça nous facilite la vie. Ce que moi, je veux bien accepter en principe. Mais dans les faits, nous, ce qu'on a pu constater à la Ligue, c'était que c'était plus compliqué que ça. Déjà parce que tout auteur qui se professionnalise même un tout petit peu va toucher des revenus qui rentrent dans le régime artiste-auteur, qui vont être en fait de provenance diverse. On peut aller faire un colloque, une intervention scolaire, etc. Donc, on ne va pas avoir que des revenus, je dirais, de droits d'auteur issus de l'exploitation d'une œuvre. On va aussi être confronté à une activité, en fait, de création qui va se décliner. Voilà, par... Et c'est là qu'on rentre dans des points un peu bloquants parce que moi, je me souviens très bien qu'on m'a dit dans mon parcours que je ne pouvais pas faire de facture. Jusqu'à ce que je rencontre un comptable spécialisé qui m'a... Voilà. Mais on partait vraiment de l'idée que dans ce milieu, et c'est assez démocratisé même dans l'état d'esprit, je dirais, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire depuis le début. C'est pas vraiment un métier, c'est un peu une source accessoire qu'on va toucher à travers le prisme seulement là d'un diffuseur, en l'occurrence un éditeur, et voilà. Sauf que c'est quand même très déconnecté de la réalité de la pratique. Alors, tout à fait. Je pense que, surtout, ça s'est complexifié ces dernières années. C'est-à-dire qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Le régime des artistes-auteurs, il est entré en vigueur en 1975. Le régime de la retenue de TVA est entré en vigueur en 1991. À cette époque-là, on avait quand même des auteurs qui avaient majoritairement des sources beaucoup plus restreintes de revenus avec, en tout cas, des sources de même nature de revenus et absolument pas diversifiées. On n'avait pas Internet, on n'avait pas le phénomène de l'auto-édition, ou en tout cas, elle était, je pense, beaucoup plus limitée. Donc, la réalité du métier de l'auteur d'il y a 40 ans n'est absolument pas, je pense, et ça, c'est plus vous qui pouvez me le dire, mais de ce que je constate, moi, la réalité de l'auteur de maintenant. Et clairement, le régime de retenue de TVA de l'article 285 bis, il a été conçu avec une vision très étriquée de la profession d'auteur, c'est-à-dire un auteur qui est soit un scénariste de film, on ne parlait même pas, je pense, de scénariste de télévision à l'époque, de scénariste de film, et d'un auteur qui perçoit des revenus d'un éditeur, et exclusivement ce type de revenus. Et donc, on a voulu, entre guillemets, lui simplifier la vie en faisant en sorte qu'il n'ait ni des déclaration de cotisation sociale à réaliser, ni de formalité TVA. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé en 1991? C'est qu'on a fait rentrer l'auteur dans la catégorie des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était un indépendant entrant dans le champ de la TVA, il devait faire comme n'importe quel indépendant, c'est-à-dire collecter la TVA sur les prestations qu'il rendait, déduire la TVA sur les acquisitions qu'il réalisait dans le cadre de son activité. Il n'y avait pas un régime simplifié de TVA à l'époque Non, il n'y a pas. Enfin, avant 1991, les auteurs étaient hors champ de la TVA. On était exonéré de TVA, en fait. Alors, pas exo, Catherine. Non, hors champ. Ça veut dire que les auteurs étaient considérés comme des consommateurs finaux. Ça voulait dire qu'en fait, ils étaient obligés de payer la TVA sur l'ensemble des dépenses qui étaient réalisées dans le cadre de leur activité et ils ne pouvaient absolument pas les dire. Ils étaient hors champ TVA. Hors champ, mais je veux dire, ça je ne sais pas moi. Avant 1991, est-ce qu'il y avait... Il n'y avait pas besoin de collecter la TVA et vous ne pouviez pas la déduire non plus. Oui, mais est-ce qu'il y avait un taux de TVA sur les droits d'auteur? Je ne crois pas, je crois qu'on était exonéré. C'est le fait qu'on entre dans le champ de la TVA. Voilà. En fait, on est entré dans le champ de la TVA. Et voilà. c'est très important, y compris sur les débats qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est assujetti à la TVA, on est tous assujettis à la TVA dès lors qu'il y a des taux de TVA. Même, il y a une différence, ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une différence entre être redevable de la TVA et être assujetti à la TVA. Ceux qui sont en franchise en base de TVA sont néanmoins ce qu'on dit assujettis à la TVA, c'est-à-dire qu'on fait, pour parler comme les fiscales, des opérations qui sont elles-mêmes
assujetti à la TVA. Après, il y a cette possibilité d'être en franchise en base de TVA. Hein, si je prends les termes exacts. Mais ça n'empêche que, voilà, sur les droits d'auteur, la TVA est à 10%. Sur les ventes d'œuvres originales, la TVA est à 5,5%. Qu'on soit en franchise ou qu'on ne soit pas en franchise, il n'empêche que nos activités principales, on va dire, en l'occurrence, la vente d'œuvres et droits d'auteur, sont assujettis à la TVA. Et dès lors qu'on est assujetti à la TVA, et là ça rentre sur un sujet, voilà, dès lors qu'on est assujetti à la TVA, on doit avoir un numéro de SIRET pour faire une facture. Même si, même si sur cette facture, on note qu'on relève de l'article, je ne sais plus quoi, 293. Oui, c'est... Peut-être pour préciser, Catherine a tout à fait résumé la difficulté, c'est qu'effectivement, les auteurs, comme ce sont des indépendants, sont dans le champ de la TVA pour toutes les applications qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité d'auteur. C'est ça, être assujetti. Hein. Être assujetti, c'est-à-dire réaliser des activités dans le cadre d'une activité professionnelle. Hein, donc, on est toujours dans cette même désignation. Ce qui signifie donc que l'auteur est censé collecter la TVA sur les opérations qu'il réalise. Et un auteur peut réaliser deux types d'opérations, comme n'importe quel acteur économique, une prestation de service ou une livraison de biens. C'est la double qualification qu'il exerce en TVA. Donc, typiquement, les artistes plasticiens réalisent des livraisons de biens. Et l'auteur, l'artiste plasticien peut également réaliser une prestation de service lorsqu'il concède un droit de reproduction des droits d'auteur sur son œuvre. D'où la dualité aussi de taux. Les livraisons de biens, c'est-à-dire la livraison du support, est au taux de 5,5%, alors que la cession des droits d'auteur, c'est-à-dire l'autorisation des droits de reproduction et de représentation, est soumise au taux de 10%. Oui, moi, je ne dirais pas que ça justifie la différence de taux. Pendant très longtemps, les taux... C'est juste une qualification juridique. Oui, oui, non, mais pendant très longtemps, les taux étaient à 5,5 des deux côtés. Puis, à un moment donné, ils ont augmenté tout à 7%. Et puis, après, ils ont voulu tout passer à 10%. Mmh. Et les plasticiens se sont battus pour redescendre et ont obtenu gain de cause, ont essayé de faire... cause commune, ça fait plusieurs années de cette histoire-là. Hein. Mmh. On essayait de faire cause commune avec les écrivains, les autres artistes-auteurs, qui n'avaient pas l'air très motivés sur l'affaire. Mmh. Et donc, la TVA est restée à 10 sur les droits d'auteur. Tandis qu'au même instant, celle sur le livre passait aussi à 5,5, historiquement. Ouais. Alors, après, il y a aussi une autre difficulté qu'il ne faut pas, sans forcément remettre en cause les problématiques de bonne volonté ou non des différentes corporations, mais il faut quand même avoir en tête que la TVA est le seul impôt qui soit harmonisé au niveau européen. C'est-à-dire qu'on est tenu par des directives européennes, alors que sinon, pour les autres impôts, c'est l'État français qui est souverain. En revanche, sur les catégories de prestations de services, de livraison de biens, les qualifications juridiques et sur les taux, on a assez peu de marge de manœuvre. C'est pour ça que c'est toujours assez compliqué. En tout cas, c'est peut-être important de préciser, toujours pareil, là, moi je pense à l'actualité en fait, des artistes. Mm-hmm. C'est important de préciser, du point de vue justement de la qualification juridique, que l'auto-édition, dans le cadre de l'auto-édition, ce n'est pas des droits d'auteur, puisqu'on ne cède pas à un tiers le droit de reproduction. Non, on vend un exemplaire. On vend des exemplaires, donc du coup, là, c'est de la livraison de biens aussi. Tout à fait. Alors, je vais juste, parce que je commence déjà à prendre du retard sur le planning, comme on est rentré dans des choses très techniques, je propose de prendre un peu de hauteur et de vulgarisation en passant à la rubrique « Dessine-moi un statut » pour essayer d'expliquer de manière la plus simple possible les bases du régime fiscal des artistes-auteurs. Émilie, générique. Lorsque j'exerce une activité d'artiste-auteur ou d'autrice, suis-je obligée de déclarer mes revenus en traitement et salaire ou dois-je déclarer mes revenus en BNC ? Ces questions sont régulièrement soulevées et pour y répondre, la démarche à suivre peut s'avérer complexe, puisqu'il s'agit d'ouvrir le Code général des impôts. Pourtant complexe en apparence, la règle est simple et lorsque nous démarrons une activité d'artiste-auteur ou d'autrice, sa connaissance s'avère indispensable. Par principe, l'article 93 du Code général des impôts prévoit que les revenus artistiques ont le caractère de bénéfice des professions non commerciales, autrement appelées BNC. C'est le pendant de leur qualité de travailleur indépendant.
Cela implique que les artistes auteurs et autrices doivent au préalable déclarer la création de leur activité au centre de formalité des entreprises afin d'obtenir un numéro de SIRET. À ce titre seulement, ils pourront établir des factures pour justifier auprès des services fiscaux l'origine de leur rémunération déclarée. Toutefois, à titre exceptionnel, l'article 93.1 du Code général des impôts dispose que lorsque ces revenus artistiques sont exclusivement constitués de droits d'auteur, première condition, et qu'ils sont déclarés par des tiers, éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective, deuxième condition, alors ils pourront être soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitement et salaire. Cette exception dispensera donc les artistes auteurs et autrices concernés des formalités CFE liées au début d'activité. Toutefois, cette exception est très limitée, et dès qu'ils percevront d'autres revenus, les auteurs et autrices demeureront imposables dans les conditions de droit commun, leurs revenus ayant de facto le caractère de BNC. Autrement dit, s'ils touchent des droits d'auteur versés par d'autres tiers que ceux précités, des droits étrangers, des revenus tirés des ventes d'œuvres, d'interventions scolaires, de rencontres, d'ateliers, alors les artistes auteurs et autrices devront s'inscrire obligatoirement sur le site CFE et déclarer leur activité afin de procéder à des facturations avec numéro de SIRET en bonne et due forme. Car la règle est capitale. Seuls celles et ceux disposant d'un numéro de SIRET pourront établir des factures. Voilà pourquoi nous invitons les auteurs et autrices à la plus grande prudence. La pratique des notes d'auteur, consistant en une forme de facturation sans numéro de SIRET, si elle fait débat, est remise en cause dans sa légalité par une application stricte des dispositions du Code général des impôts. Et en cas de contrôle fiscal, celles et ceux qui ne respectent pas les règles de facturation s'exposeront à des amendes fiscales dont le montant peut s'avérer colossal. C'était Dessine-moi un statut. Merci beaucoup pour ce Dessine-moi un statut qui compare la quête de la fiscalité à une quête de RPG, parce que vraiment, il y a des moments où on se sent dans cette situation. En tout cas, merci beaucoup pour ce Dessine-moi un statut. Alors, on va revenir à nos moutons fiscaux en espérant que ça ait simplifié les choses pour vous. Je vous propose de prendre déjà quelques questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup en cours de live pour essayer de répondre précisément aux interrogations qui sont posées à ce niveau. Alors, question. Les auteurs professionnels qui déclarent en traitement et salaire devraient normalement pré-remplir un formulaire auprès de l'URSSAF, ce qui ferait qu'ils obtiendraient de facto un numéro de SIRET, point d'interrogation. Alors, qui se lance? Bon. Juste rectifier que ce n'est pas auprès de l'URSSAF à proprement parler, mais auprès du centre de formation des entreprises. Ah, oui, mais c'est effectivement lié à l'URSSAF. Mais il se trouve que c'est l'URSSAF. Parce qu'en fait, bon, pour résumer, la grande peur de beaucoup d'artistes auteurs autrices qui jusqu'ici étaient précomptés en TS et vraiment qui n'avaient pas de maîtrise de leur fiscalité, c'est-à-dire que tout passe en fait par des tiers déclarants fiscaux, se demandent s'ils ne vont pas rentrer dans une espèce d'usine à gaz impossible. Comment ça se passe quand, en fait, on a une partie de nos revenus qu'on déclare en BNC? Est-ce qu'on est obligé d'être tout en déclaration traitement et salaire dans la petite case des impôts traitement et salaire, ou est-ce qu'on peut déclarer aussi en même temps en bénéfices non commerciaux? Comment ça se passe? En fait, il y a une règle qui est prévue par le Code général des impôts qui prévoit que l'auteur dont la totalité des revenus sont versés et déclarés par les tiers doivent être déclarés dans la catégorie des traitements et salaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tiers ? Alors, le tiers, c'est l'éditeur, un producteur audiovisuel, toute personne qui va devoir remplir dans le cadre de sa comptabilité une déclaration qui s'appelle la déclaration DAS2. Cette déclaration DAS2, c'est une obligation qui est faite aux entreprises qui versent des rémunérations de droits d'auteur, mais aussi des commissions, et d'identifier chaque bénéficiaire avec son nom, son prénom et le montant annuel brut qui lui est versé. Donc, en fait, si je comprends bien, là, je suis dans ma petite logique interne, mais bien sûr. Il y a une forme de logique, je dirais, pour que des revenus en droits d'auteur, donc qui sont vraiment des revenus issus de l'exploitation des œuvres,
qui sont par nature des revenus différés dans le temps et des natures qui vont peut-être être versées sur la durée avec régularité, soit assimilées à des traitements et salaires, parce que quelque part, c'est vrai qu'on est sur un type de revenu d'une certaine façon, en l'occurrence sur ces derniers, où il y a une forme de régularité dans le temps, où il y a, je dirais, quelque chose qui se passe avec un tiers qui n'est pas juste un client d'une fois, mais qui, avec qui on a contracté un contrat de longue durée, on va dire. Est-ce qu'il y a une forme de logique là-dedans ou pas ? C'est plutôt... Alors... En fait, je fais juste une précision, puis Catherine, je te laisse intervenir. Le fait de déclarer dans la catégorie des traitements et salaires ne modifie pas la nature des rémunérations. C'est-à-dire d'accord. que l'auteur reste un indépendant dont d'accord. la somme est censée constituer un BNC. Mais donc en fait, normalement, par dérogation, rentre dans la toute rémunération d'artiste-auteur est du BNC et le traitement et salaire est en fait une dérogation pour... Tout à fait. Des droits d'auteur versés par un certain type de tiers. Dont les droits d'auteur sont intégralement versés et déclarés par les tiers. C'est-à-dire, très concrètement, un auteur qui reçoit des revenus de son éditeur, d'un producteur audiovisuel ou d'une OGC, entre dans cette catégorie. L'artiste plasticien qui perçoit des rémunérations d'un éditeur pour le cadre, par exemple, de l'édition d'un ouvrage consacré à ses œuvres et qui vend le produit de ses œuvres, ne peut pas rentrer dans la catégorie des traitements et salaires et doit tout déclarer dans la catégorie des BNC. Alors, là, je suis désolé, mais je crois qu'on ne va pas être tout à fait d'accord avec Stéphanie. Alors, parce qu'il y a effectivement une lecture. L'article dit « lorsque les droits sont déclarés intégralement par des tiers ». Oui. Oui. Tu viens de mentionner. Ah, alors, il y a les revenus de l'étranger que j'ai oublié, effectivement. Oui, alors on va les laisser de côté, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle la DAS2, la déclaration, oui. Mais en fait, les textes de loi disent pas que, font pas référence à cette DAS2. Non. Il y a un texte de loi qui fait référence à la TVA, c'est-à-dire qui dit, grosso modo, que ce qui est du TS, c'est ce qui a été l'objet d'une retenue TVA. Retenue TVA qui est obligatoire pour les éditeurs, les producteurs et les OGC. Mais dans le cas tout simple d'une une association, par exemple, qui me verse de l'argent pour que j'aille lire un de mes bouquins, a priori, elle ne déclare pas, elle ne remplit pas cette DAS2. Parce qu'elle n'est pas tenue de le faire. Elle ne peut pas faire la retenue TVA. Donc, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un jour un agent des impôts. Il m'a dit, à partir du moment où vous avez touché ne serait-ce que 5 euros d'une association pour aller dire bonjour à des enfants, vous n'avez plus droit au traitement et salaire. Mon centre des impôts m'a dit ça. On a posé la question au ministère qui a dit non, ça n'est pas tout à fait le cas. Intégralement, on parle du tiers qui a, lui, intégralement déclaré ce qu'il vous a versé. Je ne sais pas quel sens ça peut avoir parce que je ne comprends pas, mais clairement, on nous a dit qu'on peut donc mixer le traitement et salaire et le BNC. Et grosso modo, même, on nous a dit en haut lieu, c'est la solution qu'il faut adopter. Vous avez vos revenus qui viennent de qu'on appelle les EPO, c'est-à-dire éditeurs, producteurs ou OGC. Ceux-là sont des TS de droit, sauf si vous dites que ça n'en est plus, et les autres revenus sont des BNC. Et on fait fonctionner ça depuis une paire d'années, parce que grosso modo, c'est comme ça qu'on peut lire le texte. Et a priori, l'arbitrage de Bercy, enfin l'arbitrage des différents ministères, et Catherine va me corriger si je me trompe, ça a été de dire oui, le régime normal d'un auteur qui a des revenus à la fois d'éditeur et d'autres catégories de personnes qui l'emploient, finalement, qui le paient, c'est ce qu'on appelle le mix. Donc, moi, c'est ce que j'avais compris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour reprendre l'exemple de Stéphanie, moi, j'ai écrit peut-être une vingtaine de bouquins, en même temps qu'étant plasticienne, ça n'empêche pas que mes éditeurs, surtout avant que je comprenne toutes nos histoires et tout le bazar, j'ai pendant longtemps été parmi les non-identifiés de la GSA parce que j'étais précompté par mes éditeurs. Et en fait, je, pour le coup, là, de ce point de vue-là, j'étais mes collègues, où je ne m'en occupais pas trop, je laissais ce truc-là, et je ne savais même pas qu'il fallait que je leur fournisse ma dispense de précompte pour qu'ils arrêtent en fait, de me précompter et que j'aurais dû tout déclarer socialement. Là, pour le coup, on n'est pas sur le fiscal, mais ensemble, quoi. Donc, effectivement, ce sont les... C'est par type de. C'est pas simplement la nature du revenu, puisque c'est
à la fois la nature, le droit d'auteur, les droits d'exploitation, et en même temps par qui c'est versé. Si c'est versé par des éditeurs, des producteurs ou des OGC, ce qu'on a fini par appeler des épaules parce qu'on en a marre de répéter ça tout le temps. Donc quand c'est des droits d'auteur versés par des épaules, deux droits, sauf si on décide d'opter pour le BNC, deux droits, ça devrait être en TS. Et tout le reste en BNC. Et ce que je voulais dire par rapport au raisonnement de Samantha, c'est pas sur l'origine même et la cause, le fondement en fait du TS. Mmh. C'est pas tant qu'il y a un contrat sur du longtemps, etc. C'est que l'administration fiscale a accepté que puissent être déclarées en traitement et salaire des rémunérations qui sont tiers déclarées comme les salaires. C'est-à-dire que les employeurs ont l'obligation de déclarer ce qu'ils versent à leurs salariés. Donc, par assimilation, ils ont dit, voilà, là, il se trouve que chez les artistes-auteurs, les éditeurs, les producteurs et les OGC, ont aussi cette obligation de déclarer aux impôts, déclarer aux impôts ce qu'ils versent aux artistes-auteurs. Donc, puisque c'est déjà déclaré par un tiers, on peut admettre qu'effectivement, ces revenus-là soient déclarés en TS. Mais sur le fond, c'est ça, c'est que c'est parce qu'il y a un tiers déclarant aux impôts. Mais du coup, ce que j'ai du mal à comprendre dans la logique, c'est que quand arrive la question du prélèvement à la source... Justement. De la TVA, tu veux dire ? Non, le prélèvement à la source, des impôts. Ah, oui. La retenue. Voilà, là, on aurait pu imaginer en termes de cohérence fiscale que les revenus assimilés à des TS parce que venant des EPO nous soient prélevés à la source. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que très concrètement, nos tiers déclarants sont des tiers déclarants pas du tout aussi précis qu'un employeur. Parce qu'un employeur, je ne sais pas, on t'embauche pour une journée, tu touches, je dis n'importe quoi, 300 euros, l'employeur, il va déclarer ça comme si tu en avais tout, je veux dire, peu importe le montant et tout ça, il va le déclarer automatiquement. Alors que l'article, il y a l'article 285 bis, mais il y a aussi l'article 241, qui impose donc aux épaules de déclarer à partir seulement de 1200 euros, ils déclarent. S'ils ont versé plus de 1200 euros. En dessous de 1200 euros, ils n'ont pas l'obligation de déclarer. Ah oui, mais alors... Je me suis toujours interrogée, donc cette assimilation est un peu forcée. Moi, je me suis toujours interrogée, ayant compris la logique de l'acceptation de l'administration fiscale de déclarer en TS, je me dis, c'est pré-rempli en fait pour tous les salaires. C'est pré-rempli. Pourquoi ce n'est pas pré-rempli ? Voilà. Et ça, j'avais du mal à obtenir des réponses. Je disais, c'est déclaré par des tiers, donc en fait, ça devrait déjà être rempli dans le formulaire habituel là, des impôts, à la ligne droit d'auteur, dans la ligne de... Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas du tout aussi précis que ça. Et du coup, en fait, l'artiste-auteur qui est en TS doit lui-même marquer le montant imposable dans cette fameuse case. Et donc, ça veut dire que s'il a affaire à la fois à plusieurs éditeurs, à plusieurs OGC ou que sais-je, puisque c'est tout à fait possible, que du coup, il doit additionner les montants imposables qui sont mentionnés sur les divers relevés de compte qu'il reçoit, sans avoir à faire de facture, et qu'il doit les additionner et les déclarer à l'administration fiscale. Allez-y, je sens que vous avez envie de vous battre. Je voulais préciser un petit point. Au moment où la retenue des impôts à la source, l'imposition à la source s'est mise en place, il me semble que, avoir entendu dire dans certaines organisations d'auteurs, qu'on avait préféré, en tant qu'auteur, ne pas qu'elle se mette pas en place cette retenue à la source, simplement pour ne pas dire, par exemple, à un éditeur, écoute, je suis à 20% d'imposition.
l'éditeur en question pouvait se dire, ça veut dire que tu touches tant par an et que ce n'est pas la peine de me mégoter sur 1 000 euros sur ton avaloir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a été un des arguments qui a été utilisé, qui a été entendu en tout cas. Je veux dire, quand on n'a pas la réponse aux questions, on invente les réponses. Non, j'ai l'impression que c'est un argument qui a été utilisé quand la question s'est posée, de savoir si on allait... Non, mais ce n'est pas ça, c'est que c'est impossible matériellement pour les raisons que je viens de dire. Étant donné qu'il n'y a pas une déclaration, je veux dire, il faudrait qu'il y ait des montants précis pour chaque personne, etc., qui soient communiqués. Si c'était pré-rempli, ça aurait été possible, s'il y avait vraiment les montants précis de chaque droit d'auteur versé à telle personne. Mais donc, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'obligation sous un certain seuil de montant de les déclarer. Et c'est vrai que beaucoup des droits d'auteur, ce sont parfois des micro-sommes en réalité, hein, surtout dans les OGC. Alors, on va passer à notre rubrique « Ma vie, mes œuvres » pour écouter des auteurs et autrices nous raconter leur vie passionnante en confrontation avec la fiscalité. C'est parti, Émilie, générique. Bonjour, je suis Manu Kos, je suis auteur, traducteur et scénariste depuis une quinzaine d'années. Ça constitue l'ensemble de mes revenus. Bonjour, je m'appelle Brice Cossu, je suis auteur de bande dessinée depuis 2006. Et je suis, entre autres, le dessinateur de Frunk aux éditions Dupuis. Bonjour, je suis Marc Lisano, je suis dessinateur de bande dessinée et illustrateur jeunesse depuis 1998. Je vis à Bordeaux et je travaille actuellement à l'adaptation d'un roman de Yael Hassan qui s'appelle Un grand-père tombé du ciel et qui paraîtra aux éditions Steinkiss en mars 2022. Mes premiers rapports avec la condition d'auteur professionnel, c'était Michel Plessis qui m'avait vraiment répété et invité à lire, à comprendre et à négocier mes contrats. Avant d'être auteur de bande dessinée, donc, j'ai suivi une formation en communication visuelle, en BTS. Et donc, dans le cadre de cette formation, on a fait un tout petit peu de droit en ce qui concerne plus le côté entreprise. Donc, SARL, EURL, tout ça, donc tout ce qui concerne la fiscalité de ces choses-là. Mais en fait, entre guillemets, la fiscalité des artistes auteurs n'est pas entrée, assez étonnamment d'ailleurs quand j'y repense, dans le cadre de cette formation-là. Donc, en fait, je n'avais pas spécialement de formation là-dessus. Même moi, j'ignorais. J'ai suivi une formation il y a 2 ou 3 ans via Occitanie Livre et Lecture et la SGDL. Et à la suite de cette formation, je me suis documenté davantage sur les textes de loi qui ne me semblaient pas très clairs sur certains points. J'ai appris donc par la suite un certain nombre de choses qui me permettent maintenant soit de conseiller certains membres de la Ligue quand ils me posent des questions ou sur des forums comme Facebook par rapport aux questions qui peuvent se poser. Quand j'ai commencé en fait la bande dessinée en fait juste après le cadre de ces études, donc mon éditeur de l'époque m'a dit tu dois aller à l'INSEE, avoir ton numéro de SIRET et ensuite je sais qu'ils m'ont parlé du BNC, je ne sais plus en quel terme, mais moi entre guillemets j'étais tout content de commencer la bande dessinée, je pense que j'ai pas bien écouté, donc en fait moi je pense qu'à l'époque j'ai cru que le BNC était en fait le statut de l'auteur, le micro BNC vraiment parce qu'il m'avait parlé de ça, tout à fait, en fait, je m'en suis pas plus occupé par la suite. En ce qui concerne la formation à la fiscalité, il y a très peu d'informations pour les auteurs. Elles sont éparses, assez contradictoires selon les sites. Et il faudrait vraiment qu'on ait un site ou un portail d'informations valides et actualisées. Dans les premières années, quand j'ai commencé mon métier d'auteur, finalement, dans ma déclaration d'impôt, je déclarais tout le temps traitement et salaire. Donc ça a duré pendant 2 ou 3 ans, dans mon souvenir, jusqu'à un moment où, en fait, en festival, on en vient à table à parler avec des auteurs. Forcément, on aime bien rire aussi, mais on aime bien aussi parler de choses sérieuses. À parler de ça, et donc le micro BNC revient sur la table. C'est vrai que j'en avais plus spécialement entendu parler, et en effet, on m'a dit, mais
Tu sais qu'en traitement et salaire, surtout par rapport à tes revenus, il y a moyen que ça fasse une grosse différence. Le micro-BNC, c'est ultra simplifié. Pour nous, c'est super, surtout pour des petits revenus ou si tu dépasses pas le plafond. Je déclare l'ensemble de mes revenus d'auteur en micro-BNC depuis 3 ans. D'une part, parce que si j'ai tout bien compris, c'est ce qu'il faut faire quand il s'agit de factures, et en particulier d'interventions scolaires et autres. Et d'autre part, parce que quand j'ai posé la question à mes impôts, ils m'ont répondu que si je déclarais un petit peu en BNC, il fallait tout déclarer en BNC. Ce qui était une erreur, mais je l'ai appris qu'après. Cela dit, ça permet un certain nombre de choses. Ça, effectivement, c'est un petit peu moins onéreux en termes de cotisations sociales. Et c'est assez intéressant quand on dépasse certains plafonds. En général, je fais ma déclaration d'impôt en BNC, donc en bénéfices non commerciaux, avec l'abattement forfaitaire de 34%. Certains auteurs le font en traitement et salaire, mais il semblerait qu'on paye un peu plus d'impôts, en fait, à peu près 10% en plus. Et si vous avez beaucoup de frais, au-delà des 34% de vos revenus, vous pouvez aussi passer en frais réels. Comme conseil pour les autrices et auteurs qui veulent débuter, j'ai envie de dire que d'abord, il faut prendre ça un petit peu à la légère, le côté administratif, même si c'est un peu relou, il faut bien le dire. Donc, respiration ventrale, de toute façon, il y a très peu de contrôle et il y a beaucoup de gens qui se trompent, donc ça ne va pas poser d'énormes problèmes si de temps à autre, ils font une petite erreur. D'autre part, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même s'en occuper parce que ça fait partie de notre métier, tout simplement. Le fin mot, c'est intéressez-vous, c'est bien d'écrire et de faire des livres, mais intéressez-vous aussi à la fiscalité, c'est important. Ça prend un peu de temps, mais au final, au moins, on est carré. Et ensuite, le vrai bon conseil, c'est que quand on perçoit des droits d'auteur, le mieux, c'est de savoir combien on doit provisionner, c'est-à-dire préparer, mettre de côté pour devoir payer ensuite, que ce soit l'URSSAF ou la retraite complémentaire de l'IRSEC, etc., les impôts éventuellement. Tout ça se calcule assez facilement. Je vous conseille le site de Florence Inkel en particulier qui vous explique tout ça très bien. Et ça va vous permettre d'avoir un petit peu la tête tranquille pour créer vraiment ce qui est le but du jeu. Le conseil dès le départ pour les jeunes auteurs, mais pour les auteurs aguerris aussi, c'est de lire ces contrats et de faire en sorte de les comprendre. Mais c'est de s'intéresser aussi à tous les aspects de la vie administrative. C'est notre travail. Et pour cela, il faut se faire aider par les syndicats, demander, redemander, exiger l'application du rapport Racine et d'un vrai, vrai statut professionnel. Parce que nous sommes des professionnels de l'édition. Merci aux auteurs qui ont accepté de témoigner dans Ma vie, mes œuvres. Et on le voit, tous ces parcours hein, qui sont en résonance et qui correspondent aux témoignages qu'on vous livre aussi aujourd'hui. Alors, peut-être pour revenir à la base, je vais prendre une question du chat parce que finalement, il y a toujours cette interrogation permanente de se dire ma déclaration d'impôt arrive, dans quel cas je dois déclarer, si on doit vraiment résumer les choses de manière le plus simple possible. Donc, une question. Traitement et salaire, micro-BNC ou réel, quel est le choix le plus avantageux pour l'auteur afin de minimiser ses impôts, nous demande-t-on dans le chat. Bah, c'est prendre l'argent et courir, voilà. Toujours. Bah, ce sont vraiment des situations tout à fait personnelles qui dépendent en fait du niveau du seuil de revenu et aussi si l'auteur a la possibilité ou souhaite déduire ses frais réels. Tout oui, à c'est vraiment du cas par cas. Hein. Là-dessus, parce que... Alors, j'aime beaucoup, c'est une métaphore utilisée par le CAP régulièrement. Tu peux peut-être, Catherine, nous parler du grand bain. De la piscine. Oui, et voilà. Oui, non, souvent je dis que le TS, c'est un peu la pataugeoire, que le micro-BNC, c'est le petit bain et que le BNC au réel, c'est le grand bain parce qu'il ne faut pas aller dans le grand bain sans savoir nager ou avoir une bouée, c'est-à-dire sans savoir soit faire ses comptes, soit prendre un comptable, mais en tous les cas, du point de vue de la déclaration,
Concrètement, c'est, j'allais dire, aussi simple, voire plus simple en micro-BNC qu'en TS. Mais après, pour savoir, je suis d'accord avec Stéphanie, c'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas, parce que l'un des gros critères discriminants, c'est le montant des frais réels que vous avez, en fait. Donc, selon le cas, je veux dire, il n'y a aucune, en clair, il n'y a aucune raison d'aller dans le grand bain si vous n'avez pas beaucoup de frais. Oui, voilà. Ce qui est vrai, c'est que peut-être, pour le coup, en voyant les pratiques, un plasticien peut avoir des frais très élevés d'achat de matériel, par exemple. Et c'est vrai que nous, du côté de la Ligue, on en a beaucoup parlé avec Manu, hein, le frais réel est rarement intéressant quand même du côté de ces professions, parce qu'à part un achat d'ordinateur ou voilà, enfin… Bon, il y a plus de frais, je veux dire spontanément, mais même d'ailleurs du côté plasticien et tout ça, il y a toujours plus de frais réels qu'on ne l'imagine. Mais néanmoins, c'est vrai que, c'est que selon les métiers que nous exerçons, les frais ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, que, hein, pour ceux qui vendent des supports originaux de leurs œuvres, je veux dire des sculptures, des tableaux, donc qui les fabriquent en fait, je veux dire, donc eux ont souvent évidemment beaucoup plus de frais qu'un écrivain ou même un illustrateur. Donc le micro BNC de ce point de vue là est a priori le choix entre micro BNC et BNC au réel, il est simple, c'est, ça dépend du pourcentage de frais qu'on a sur nos recettes, puisque le micro BNC fait une déduction forfaitaire de 34% des recettes. Donc dès qu'on a plus de 34% des recettes, a priori on a intérêt à aller dans le grand bain. Quand on a moins, non. Et après, du côté du TS, du point de vue des impôts directs, hein, j'ai bien des impôts directs, étant donné que c'est possible aussi en TS d'être en frais réels, ça pourrait pratiquement être neutre entre TS et BNC du point de vue des impôts. Du point de vue des impôts directs. Parce qu'en revanche, ce n'est pas du tout neutre du point de vue social, et oui. Vous savez que dans les prélèvements sociaux, vous avez certes des cotisations sociales, mais vous avez aussi la CSG et la CRDS qui, eux, sont des impôts. Et donc là, en revanche, il est certain que ça fait payer plus d'impôts, mais des impôts indirects qui sont la CSG et la CRDS. Et ça fait payer aussi plus de cotisations sociales, le TS, de ce point de vue-là. Peut-être pour dire les choses autrement, en réalité, quand on est au micro BNC, en fait, on prend la base brute des droits d'auteur et on applique un abattement de 34%. Donc, on prend la base brute des droits, c'est-à-dire avant déduction des cotisations sociales. Donc, il faut que les 34%, en fait, intègrent la totalité des frais et des cotisations sociales. Ouais. Alors que quand on est en imposition au TS, en fait, et au forfait ou au réel, on prend la base des droits bruts auxquels qu'on majore des 0,8% de la retenue de TVA. Et on déduit les cotisations sociales. Et c'est sur cette base-là qu'on va appliquer la déduction des frais forfaitaires de 10% ou éventuellement des frais réels si l'auteur est en capacité de les lister. Donc effectivement, en fait, c'est sur une évaluation de la totalité des frais, puisque dans le micro-BNC, on inclut en fait dans les frais les cotisations sociales déductibles. Alors, on peut présenter les choses autrement. Tout à fait. Dans le petit guide fiscal qu'on avait fait pour la Ligue, on avait essayé de voir aussi des paliers de revenus pour un artiste-auteur. Ouais. Donc, on avait beaucoup parlé des artistes-auteurs du livre, où on disait grosso modo qu'en dessous de 12 000 euros, 12 15 000 euros par an, ben, souvent, on n'est pas imposable. Donc, le BNC peut être intéressant. Que désormais, au-delà de 70 000 euros, vous ne pouvez plus avoir le micro BNC, donc vous êtes forcément soit en BNC, soit si vous réussissez tout en TS, et que là ça peut être intéressant d'être en traitement et salaire. Après, tout simplement, il y a des simulateurs, que ce soit donc celui de Florence, celui des impôts Florence Inkel ou celui des impôts. Moi, ce que je fais chaque année, ou plus ou moins, c'est que je regarde combien j'ai touché en brut, je me dis tiens, combien ça me coûterait en impôts, en traitement et salaire, combien ça me coûterait en impôt en BNC, et qu'en général, je me réponds ah bah oui, je suis quand même bien mieux en micro-BNC parce que en termes d'impôt, c'est nettement en dessous. Le revers de la médaille, c'est qu'on cotise moins socialement. Catherine vient d'expliquer que c'est quand même pas aussi mathématique, que bah, du coup, on cotise à peu près un quart de moins sur l'ensemble
Et donc, on a un quart de droit en moins. Non, ce n'est pas proportionnel, enfin, Manu. Oui, ce n'est pas, enfin, c'est pas proportionnel. C'est-à-dire voilà, que les droits qu'on a en plus, en étant en TS, on les paie environ 3 fois plus cher que normalement, puisqu'on paie la CSG, la CRDS, etc. Oui, alors, je suis d'accord avec ce calcul, mais tout simplement, voilà, sur une même année où on a touché une telle somme, l'année d'après, si on a 3 jours d'arrêt maladie, si on réussit à les avoir, parce qu'on a, on connaît toutes les démarches à faire, on est un petit peu plus payé en traitement et salaire. Il y a la question des retraites qui, effectivement, semble un petit peu compliquée aussi au bout de la 5e ou 10e année qu'on est autant à la retraite. Il est possible qu'à un moment on se dise oh, bah, finalement j'aurais dû être en TS pendant un certain nombre d'années, mais là j'ai jamais réussi à faire le calcul, je suis désolé. Non mais parce que c'est pas aussi simple que tu. Oui, enfin c'est pas mathématique, mais. Mais en revanche, il y a une chose qui est sur ces histoires entre TS, BNC et tout ça. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au-dessus du seuil du micro BNC, donc au-dessus des 72 600 euros, si on a relativement peu de frais, ce qui est le cas donc des écrivains, eh bien, on n'a absolument pas intérêt, là, pour le coup, à être en BNC au réel. Or, au-dessus de 72 600, on est obligé d'être au réel quand on est en BNC. Donc, en fait, c'est surtout pour les hauts revenus que ça peut être intéressant d'être en TS. Parce qu'à ce moment-là, vous bénéficiez d'une… Quand on est en TS, on bénéficie ici des fameux 10% comme tous les salariés. De réduction forfaitaire, alors que vous avez en réalité moins de 10% de frais réels. Et c'est quelque chose qu'on a vu mais au moment du fameux redressement fiscal du DERZO. C'est-à-dire que là, en fait, il avait et c'est ce qui a fait bouger le 93 1 quater. Le 93 1 quater ne visait que les écrivains et les compositeurs. Et maintenant, ils visent tout le monde, ils visent tous les artistes auteurs. Et donc, l'administration fiscale disait, mais non, là, ce qu'avait fait Uderzo, c'est qu'il avait tout déclaré en TS. Naturellement, vous imaginez qu'il avait des revenus assez conséquents. Voilà. Et en fait, l'administration fiscale a dit, mais non, mais vous n'êtes pas écrivain, vous êtes dessinateur. Vous n'avez pas le droit de déclarer en TS en fait, vos revenus de droit d'auteur, bien que versé là, pour le coup, par des éditeurs. Hein. Et donc, ils ont fait le calcul, je ne me rappelle plus du montant, mais il était quand même hallucinant. Ils ont dit, bah non, vous auriez dû déclarer en fait en BNC au réel. À ce moment-là, ça aurait fait ça, donc vous nous devez tant, et c'était énorme, quoi, ce qu'il fait. Hein. Et c'est à la suite, alors naturellement, la presse s'est emparée de cette histoire, etc. Et c'est à la suite de ça que le 93 1 quater a été élargi à tous les artistes auteurs. Mais ça n'empêche que le 93 1 quater ne vise que les droits d'auteur versés par les éditeurs, les producteurs et les OGC, pas le reste. Alors, pour passer à notre dernière rubrique, parce qu'il y a énormément de questions techniques, Émilie, je te propose de lancer le courrier des artistes-auteurs. C'est parti. Alors, nous sommes de retour. Alors, passons aux questions pratico-pratiques. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Quand je fais une facture à mon éditrice pour qu'elle me paie mon avaloir, est-ce que c'est du TS? Je l'ai déclaré en BNC. Alors, la facture ne conditionne pas le régime de déclaration. On en revient en fait à la règle, c'est-à-dire que par principe, l'ensemble des revenus intégralement déclarés par les tiers doivent être déclarés dans la catégorie des TS, sauf si l'auteur décide d'opter pour la déclaration en catégorie des BNC. Donc, cet auteur qui facture va donc facturer un revenu de droit d'auteur. Si l'ensemble de ses revenus sont intégralement déclarés par les tiers, il doit les déclarer dans les TS, sauf à opter pour le BNC. Oui, mais là, ce qui serait intéressant de savoir, là, c'est si les éditeurs
précompte ces avaloirs, comment ils le gèrent, eux. Ah ben là, c'est pour savoir ce qui est le plus intéressant. Un avaloir, non. Parce que là, ça veut dire que c'est l'éditeur qui a demandé une facture. Alors non, là je pense qu'en fait c'est une autrice qui doit être au micro BNC qui du coup facture tout, pour résumer, elle veut tout mettre, voilà, et elle n'est peut-être pas allée au bout en comprenant qu'en effet, en fait, ce choix après fiscalement implique de tout déclarer en micro BNC, j'imagine, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de facturer un avaloir si ce n'est pas pour le déclarer ensuite en micro BNC. Parce que pour le coup, un avaloir, normalement, sinon, il n'y a pas besoin de facturation. Bah oui, c'est ça qui m'étonne. Normalement, il n'y a pas de facturation. Ben, je ne fais pas de facture à mes OGC. Oui, bien sûr. Il y a une autre question, c'est, par exemple, pour un avaloir, est-on d'accord que nous n'avons pas besoin de facture? Ah bah, tout dépend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de facture pour un avaloir à partir du moment où il y a précompte de cotisation sociale et précompte de TVA. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique. C'est-à-dire que par définition, un auteur est censé être un indépendant, donc tenir sa comptabilité, sauf s'il rentre dans les deux régimes dérogatoires, en réalité. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une facture? Peut-être, c'est une question néophyte, mais une facture, c'est une pièce comptable. Donc en fait, c'est la facture, c'est ce qui va permettre d'identifier les revenus qui sont versés par un éditeur et les revenus encaissés par un auteur. L'éditeur, vu qu'en général, il est une société commerciale, je mets de côté les cas des associations, hein, mais les éditeurs qui sont des sociétés commerciales ont l'obligation de tenir une comptabilité fidèle par rapport à leur activité et ce, au jour le jour. Pour chaque mouvement financier qui est réalisé, il doit avoir une pièce comptable. Normalement, avec tous les indépendants avec lesquels ils traitent, ils vont leur demander une facture. Comme la majorité des auteurs, pour les raisons qu'on a vues, n'ont pas de numéro de SIRET, puisqu'ils n'ont pas fait de déclaration d'existence, lorsqu'ils ont leurs cotisations sociales qui sont précomptées et leur TVA qui est retenue à la source par le débiteur, de fait, ces auteurs ne peuvent pas émettre de facture, puisqu'ils ne peuvent pas mettre les mentions légales sur la facture. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'éditeur édite un document qui va tenir lieu de facture et qui correspond en plus aux exigences légales, puisqu'en application de du texte sur la retenue de TVA, l'article 285 bis, effectivement, il faut communiquer à l'auteur un détail du montant brut qui lui a été versé et de la TVA qui a été retenue. Donc, c'est ce document qui tient lieu, en fait, de documents administratifs comptables et que l'auteur va recevoir. Alors, c'est le décompte de droit, en fait. C'est pour ça que les artistes auteurs en TS n'ont pas besoin d'émettre de facture parce que c'est leurs éditeurs, leurs producteurs ou leurs OGC qui leur envoient un décompte de droit sans qu'ils aient besoin de faire de facture. Alors oui, je vois sur le terme, en fait, et on peut avoir note de droit, droit d'auteur, relevé de droit d'auteur. Ce terme peut être multiple, mais il y a en fait une confusion depuis le 1er janvier 2019 et la réforme cotisation sociale, puisqu'en fait, maintenant, le Code de sécurité sociale impose le relevé de droit. Et le relevé de droit, qu'est-ce que c'est? C'est le montant brut des droits avec le détail des cotisations précomptées. Et à côté, on a aussi le document qui est prévu par le BOFIP indiquant la retenue de TVA. En pratique, on fusionne le tout, ça devient un document unique qui tient lieu de facture en réalité, enfin de pièce comptable pour le débiteur, l'éditeur, et qui va donc être la trace de l'ensemble des retenues qui ont été faites sur son montant brut pour l'auteur. Merci beaucoup Stéphanie pour ces explications très claires. Alors une autre question, est-ce que les frais qu'on a en auto-édition peuvent rentrer dans le régime réel? Oui. Alors, l'auto-édition, c'est, il faut savoir que tout dépend de ce qu'on entend par auto-édition. L'auto-édition, c'est vraiment l'auteur qui va éditer ses propres créations. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale, dans un commentaire, étend le bénéfice du BNC à ses revenus. Donc, à partir du moment où les revenus qui entrent dans le champ du BNC, les dépenses qui sont allées spécifiquement, forcément, sont également prises en compte. Parfait. Sur la question de la note de droit d'auteur, parce que concrètement, nous, c'est vrai que pendant des années et des années,
Alors, il y a des auteurs qui, ça fait un moment donné, qui sont passés à la facturation pour ce type d'activité, mais oui. Je pense aux interventions scolaires, je pense mmh. à ce type d'activité qui rentre dans le régime artiste-auteur. Mmh. On nous disait qu'il fallait émettre des notes de droit d'auteur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices qui, avec des interlocuteurs qui peuvent être très variés, comme on l'a dit, hein, parce qu'on n'a pas que les éditeurs dans nos interlocuteurs professionnels, se sont retrouvés à émettre en fait des documents sans numéro de SIRET. Est-ce que c'est légal, ça ? Alors, une facture, ça correspond à une définition précise du Code de commerce. Donc, une facture doit comporter des mentions obligatoires avec un numéro de SIRET, le cas échéant, un numéro de TVA intracommunautaire, hein, puisque c'est la raison pour pouvoir déduire la TVA, et d'autres mentions obligatoires, notamment sur les intérêts de retard et la façon d'obtenir le paiement. Pour le coup, si ces mentions ne sont pas requises sur le document, ça ne peut pas constituer une facture. La difficulté que je vous expliquais, c'est que justement, l'ensemble des entreprises ont besoin d'un document comptable pour justifier de la dépense qui est réalisée, notamment d'un point de vue TVA. D'accord. Donc en fait, le principe, c'est que normalement, une note de droit d'auteur, en tout cas, si elle est établie par l'auteur, elle est censée être une facture et avoir l'ensemble des mentions qui relèvent de la facture. Donc, c'est vrai que l'absence de numéro de SIRET... C'est un problème. Mais en pratique, on a toujours fonctionné comme ça. Mais si on lit les textes dans leur globalité et surtout quand on regarde la finalité de la note de droit et de la facture, je vous dirais que si j'étais vraiment rigoriste, je vous dirais qu'une note de droit, c'est une facture. Donc, elle est censée comporter l'ensemble des mentions qui sont requises en matière de facture. En pratique, on a laissé couler les choses. Voilà, c'est clair. Oui, mais en pratique, c'est vrai que ça ne nous a pas rendu service dans le sens où... Voilà. Alors, en tout cas, je parle du côté des auteurs illustrateurs jeunesse. Ça fait des années et des années et des années que c'est un peu le serpent de mer. Finalement, on a lutté contre vents et marées pour imposer des documents qui n'avaient pas vraiment de fondement, on va dire, légal précis à des intermédiaires avec des services comptabilité qui, finalement, avaient juste besoin d'un document. Demander une facture, Et qui ne connaissaient pas pas surtout la réalité de votre métier. Parce qu'on s'en fait des drames, mais pour relativiser, émettre une facture, ça prend littéralement une minute. Hein. C'est un petit tableau Excel, vous avez tout. Oui, mais il y a des règles quand même à respecter, c'est-à-dire la numérotation, c'est pas anodin. Il faut savoir que c'est un document qui n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes un auteur professionnel. Et une fois encore, j'y reviens, mais vous entrez dans le champ de la TVA. Et donc, en fait, la problématique, c'est que si la facture n'est pas correctement rédigée, ça peut vous mettre en indélicatesse en cas de contrôle fiscal, notamment au regard de la TVA. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces histoires de ce qu'on a appelé notes de droit d'auteur, et si on remonte même plus loin dans le temps, et ça n'étonnera personne, ça s'appelait notes d'AGESA. Hein, voilà. Oui. Mais à cause du précompte, oui. Eh bien oui, mais bon. Ce sont des documents, on va dire, qui sont juste 10 fois plus compliqués qu'une facture, puisque en fait, c'est pas simplement des factures sans SIRET. C'est des factures qui précisent le précompte. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on demandait à un salarié de faire lui-même sa petite bulletin de salaire, en fait, quelque part. Ben oui. Donc, en réalité, ce sont des documents juste qui sont 10 fois plus compliqués à faire pour les artistes-auteurs, parce que du coup, à partir du moment où on n'a pas affaire aux épaules, hein, aux éditeurs, producteurs OGC, qui eux sont a priori, mais Stéphanie nous dit qu'ils n'ont pas toujours au point, mais en tout cas, sont supposés l'être, bien évidemment que dès qu'on sort de ça, on a affaire à des services comptables et à d'autres interlocuteurs qui n'ont aucune raison de savoir comment faire un précompte social, quoi, je veux dire, d'un artiste-auteur, parce qu'en fait, ils ne sont pas concernés. Ils n'ont pas à le faire. Il n'y a que les éditeurs, les producteurs, les OGC qui ont à le faire. Ils sont supposés pouvoir le faire. Mais c'est vrai que si vous, si par exemple, le boucher du coin qui commande un logo à un graphiste, bien évidemment qu'il va pas le graphiste il va lui faire une facture normale et puis point barre, il y aura pas de problème. Mais s'il lui sortait une note de droit d'auteur en lui disant alors il faut que tu me précomptes socialement et puis qu'après tu ailles verser tout ça à l'URSSAF Limousin,
là, il perd le client. Hein. Oui, mais il est censé le faire. Ouais. Le boucher du coin, il est tenu de le faire. C'est-à-dire qu'autant... Ah, si, bien sûr que si, ce sont tous les diffuseurs. Bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. L'assiette de dispense de précompte, effectivement, on était censé lui faire une facture. Oui, mais la différence, en réalité, c'est que jamais le boucher ne te demandera une dispense de précompte. Il te demande une facture. Oui, tout à fait. Mais il y avait des associations qui pouvaient le demander. Et je voudrais préciser aussi, quand on parle des épaules tout à l'heure, moi, je viens de me rendre compte que dans l'audiovisuel, c'est le problème inverse qui se pose. C'est-à-dire que quand vous arrivez en disant « moi, je déclare tout en BNC, donc payez-moi en brut », c'est absolument impossible. Non, c'est pas impossible, mais ils n'ont pas l'habitude. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, l'autre fois, il y a un producteur qui m'a payé le net. Ouais. C'était bien, j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit, non, c'est beau que tu vas me payer. Mmh. Mais il avait tout calculé, puis il m'a dit, bah, je te paie donc le reste. Et d'autre part, on a nos amis du RAP et du RACD qui ont imposé un précompte des cotisations de retraite. Oui. Qui donc devient absolument impossible à calculer et qui en plus n'est pas sur les mêmes bases. Donc on se retrouve n'importe quoi. Donc moi, effectivement, en audiovisuel, je finis par dire faites comme tout le monde, faites comme si j'étais en traitement et salaire et je corrigerai derrière, mais c'est pénible. Parce qu'effectivement, les statuts sont pensés vraiment par catégorie. Quoi. C'est pareil pour les éditeurs. Je te dis, moi, mes éditeurs, une fois que j'ai compris qu'il fallait leur envoyer la dispense de précompte, bon, ben, j'envoyais la dispense de précompte, mais un coup sur deux, ils n'en tiennent pas compte. Hein. Oui. Eux, en fait, il y a d'un côté les épaux qui, eux, sont dans leur rail, normalement, à peu près, en tous les cas, les OGC, c'est sûr, qui ont tendance à précompter systématiquement. Y compris quand on leur dit qu'on n'a pas besoin de l'aide. Quoi. Oui. Et le problème du RAP est plus grave, parce que là, pour le coup, c'est complètement aberrant, évidemment, d'avoir deux assiettes sociales différentes selon le circuit de diffusion des droits d'exploitation. Oui. C'est une aberration complète, là. Ah, et deux types de paiement pour la même caisse suivant qu'on est auteur du livre ou auteur scénariste. Oui. C'est très fort. Alors, je continue les questions parce que cela il va toucher à sa fin. Est-ce que quand on est aux frais réels, garder les factures de nos achats sans qu'elles précisent notre numéro de SIRET est suffisant comme preuve de dépense? Oui. Voilà une réponse. Ensuite, autre question. Je sais que si l'on travaille de chez soi, on peut en théorie déduire certains frais. Connexion Internet, électricité au prorata de la surface utilisée. Dans ce cas, il faut garder aussi nos factures correspondantes, j'imagine, mais faut-il fournir un plan de notre domicile en cas de contrôle pour justifier les surfaces? Non, sur une connexion Internet, hein, vous pouvez, c'est pas au prorata de la surface, en fait. La connexion Internet, si vous considérez qu'elle est à 80% dédiée à votre activité professionnelle, vous pouvez la déduire à hauteur de 80%. Le prorata en termes de logement, c'est en fait lorsque vous décidez d'affecter une partie du loyer à votre activité professionnelle. Et donc, c'est au prorata, en fait, de la surface dédiée à votre activité professionnelle. Typiquement, un appartement de 3 pièces, il y a une pièce qui est dédiée à l'activité professionnelle, c'est juste la surface, le prorata du loyer au prorata de la surface de l'appartement utilisé. Sachant qu'on on peut aussi le faire un peu pour l'électricité. Voilà, exactement. Et l'eau, quoi, éventuellement. Enfin, le téléphone, tout. Ouais. Sachant que Stéphanie, là je te pose la question directement, on parle de loyer, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, c'est beaucoup plus compliqué, si j'ai bien compris, voilà. Donc, oui, parce qu'en fait, quand on est propriétaire, il faut se faire un auto-loyer. C'est nul. Voilà, quand on est propriétaire, il faut se faire un auto-loyer. Mais du coup, ça pose une autre problématique, parce que la somme que du coup on récupère rentre dans le bénéfice foncier. Oui. Donc ça fait un peu une somme nulle. Non, mais surtout, ça bouscule les assiettes. Si quand on est propriétaire, ça dépend de l'affectation du bien. Si on a fait une affectation professionnelle, à ce moment-là, tout ce qui concerne le bien est effectivement... Oui, mais ça veut dire que les biens sont déductibles. Ça veut dire que du coup, il faut avoir fait un achat professionnel. Ça veut dire qu'il faut vérifier que les locaux sont accessibles à une activité professionnelle. Ça implique tout un tas de questions, effectivement, beaucoup plus larges. Et surtout, vérifier si on est dans le cadre d'une copropriété, le règlement de copropriété également. Oui, mais là, pour le coup, c'est le cas quand même de pas mal de... Oui, sur les artistes plasticiens, notamment sur les ateliers, effectivement, en tout cas, avec des locaux mixtes, c'est effectivement le cas.
Non, c'est vrai que j'étais plus dans l'optique auteur-écrivain, qui en général ont effectivement une pièce dédiée dans leur logement. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une jurisprudence justement sur les locaux mixtes, oui. où en fait c'était possible de retirer aussi une partie de la taxe d'habitation. Oui. Mais pour la taxe d'habitation, il y a une partie des auteurs qui sont exos aussi. Pour la taxe d'habitation on parle pas de la cotisation foncière des entreprises. Je parle vraiment de la taxe d'habitation. Quelqu'un qui est propriétaire de son son logement et qu'il l'utilise aussi professionnellement. Donc en fait, c'est possible de retirer, et là au prorata de la surface naturellement, une partie de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est en train de disparaître. Donc, mais en tous les cas, ça c'est quelque chose où il y a une jurisprudence, mais le BOFIP n'a jamais expliqué. Enfin voilà, c'est possible, mais il y a intérêt à connaître soi-même la jurisprudence et leur rappeler la jurisprudence à ce sujet. Alors, une dernière question avant de conclure ce live. Si l'on est rigoriste jusqu'au bout, quelle serait la sanction applicable à un défaut de numéro de SIRET pour une note de droit d'auteur qui pourrait demander la sanction ? Je peux tenter parce que ce qu'on m'a dit, donc c'est peut-être un bruit de couloir, que c'était de l'ordre de 15 euros par facture, par note de droit d'auteur qui aurait dû être une facture, et que c'est les impôts qui vont te la demander en cas de contrôle. Alors, j'ai peut-être faux. Mais ça, c'est les omissions et tout ça, mais ça, les infractions, ça va jusqu'à 75 000 euros, ça douille un petit peu plus. Hein. Oui, je suis en train de regarder, en fait, tout simplement, dans le code de commerce. Hein, parce que c'est la sanction du code de commerce, en fait. D'accord. Et pendant qu'elle regarde, moi, j'ai une question que je me pose toujours, c'est combien il y a réellement de contrôles fiscaux sur les artistes auteurs, et en particulier professionnels ou ceux qui ont dans cette activité principale. Parce que de temps à autre, je me dis, on fait des tas de trucs et on se pose des tas de questions, mais les impôts, ils s'en foutent un petit peu de nous, quoi. Alors, ils nous répondent. J'abonde dans ton sens, Manu. Après, il faut voir que dans un contrôle fiscal, il y a toujours des répercussions entre l'auteur et les débiteurs de sommes, en réalité. Et donc, en fait, le contrôle d'une personne peut déboucher sur le contrôle d'autres personnes, puisqu'il y a un échange de communication et d'informations, en réalité. Très clairement, il faut voir aussi la finalité de l'imposition. L'imposition, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, à partir du moment où la pratique n'a pas pour objectif une dissimulation de recettes fiscales, je pense qu'on peut aussi montrer sa bonne foi vis-à-vis de l'administration fiscale dans le cas d'un contrôle. Typiquement, les notes de droit d'auteur, si elles n'ont pas des formalités, enfin, si la note de droit d'auteur n'est pas correctement faite, mais qu'elle a pour objectif pour résultat final, que les cotisations sociales ont été correctement payées à l'URSSAF, que les retenues de TVA ont été correctement faites et que les déclarations d'impôts ont été correctement faites, je pense qu'il ne faut pas demander non plus à l'État d'être plus royaliste que l'euro. En tout cas, moi, c'est ce que je plaide lorsqu'il y a des irrégularités et globalement, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que le fait d'être transparent vis-à-vis de l'administration fiscale en cas de contrôle et quand il n'y a pas d'impact financier majeur, globalement, ça se passe bien. Le problème, c'est surtout sur la TVA, hein, parce que le problème des pratiques illégales de notes de droit d'auteur, c'est de rien dire du point de vue de la TVA, ce qui est quand même un problème quand on est assujetti, soit d'appliquer quand même des taux de TVA plus ou moins folkloriques quand on est redevable de la TVA. Alors, il y a ça, et surtout, le problème, c'est que là, on risque plutôt de se faire découvrir, justement, dans le cas de contrôle des tiers. C'est-à-dire que faut jamais oublier qu'une TVA qui est collectée chez un auteur, c'est une TVA déductible chez un tiers. Donc, que vous collectiez plus avec un taux supérieur, l'État vous en voudra jamais. En revanche, cette TVA collectée à un taux supérieur va donc devenir une TVA qui ne peut pas être déduite dans son intégralité chez le débiteur qui va être contrôlé. Et c'est là où ça pose souci, en fait, en réalité. Oui, mais... Et c'est là où il y a des nœuds de contrôle qui apparaissent. Oui, mais je crois que dans les taux de TVA folkloriques, c'est pas du 20% en général. Non, mais c'est… C'est en dessous, si ça devrait être du 20%, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça veut dire que si un auteur collecte 20%, mais ça veut dire qu'aussi, et qu'alors qu'il devrait collecter 10, ça veut dire que son débiteur, lui, ne peut déduire que 10. Oui, non, mais je sais bien, mais ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. C'est par exemple de mettre 10,
Oui. Alors qu'on fait un... Alors que ce n'est pas des droits d'auteur. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est le débiteur qui doit rectifier, qui en général, s'il est plutôt informé sur la question, va demander que la TVA soit correctement rectifiée parce que lui est perdant. Parce que du coup, il ne pourra déduire que 10 alors qu'en réalité, il devrait pouvoir déduire 20. Oui, ça, il faudrait qu'ils connaissent le code de la propriété intellectuelle pour savoir si c'est du droit d'auteur ou si ce n'est pas. Ils font quand même attention. C'est le cas de tous nos interlocuteurs. Je suis d'accord. Pour précision, j'ai retrouvé le texte. Donc, l'amende fiscale pour mention manquante sur une facture, c'est bien 15 euros pour chaque facture plafonnée au quart du montant. Donc, c'est 15 euros par mention manquante sur la facture. Et c'est au niveau des infractions que ça devient plus… Voilà, donc ça, c'est l'amende fiscale pour défaut de mention. Et il y a une amende qui peut aller jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique, qui peut être doublée en cas de défaut de facturation, de facture de complaisance et de facture fictive. Et est-ce qu'il y a de… Ça ne concerne pas les gens qui regardent ce live. Ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est sur les pénalités là, d'infraction, enfin les amendes, je ne sais pas comment on dit, en fait, ça peut être partagé. Oui, tout à fait. Ça peut être partagé. Lorsqu'il y a connivence entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement à faire ces histoires de notes de droit d'auteur et tout ça, il n'y a pas simplement un risque du côté des artistes auteurs, mais il y a aussi un risque du point de vue de leurs diffuseurs. Donc là, on comprend mieux aussi pourquoi les agences comptables des bibliothèques… En fait, qu'elles veulent un truc dans les clous, quoi. S'ils acceptent même en fait, un truc et une facture sans être une facture, eh ben, en fait, ils se mettent aussi en tort. Tout à fait. Et que doit-on faire quand un producteur, par exemple, se dit bah non, je ne vais pas te payer la TVA parce que en fait, je ne le fais pas d'habitude. C'est-à-dire, je ne vais pas payer les 0,8% que je te dois. Enfin, voilà. Et du coup, bah, tu supposes derrière qu'il ne va pas payer non plus les 9,2% qu'il va devoir à l'État ou… Bah, de fait, s'il ne fait pas cette opération, c'est que clairement, il se met en faute vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, pour le coup, c'est lui qui est tenu de le faire en application de l'article 285 bis, tant que tu n'as pas envoyé la preuve que tu as renoncé à ce dispositif. Mmh. Donc, à la limite, c'est sa responsabilité. Là où tu es légèrement perdant, c'est que si tu déclares tes revenus dans la catégorie des traitements et salaires, tu es censé avoir un gain de 0,8%, donc tu es perdant de 0,8% par rapport à ton montant. C'est bien pour perdant économiquement. Moral, hein. Mais sinon, pour le coup, ce n'est pas ta responsabilité au plan de la collecte de TVA qui est engagée, c'est celle du producteur. Mais après, tu es perdant économiquement. Mais Stéphanie, je peux te poser une question. Bien sûr. Dans les épaules, là, dans les éditeurs, les producteurs, les OGC, j'imagine que tu n'as pas tellement affaire à des OGC, mais surtout à des éditeurs et des producteurs. Oui. Et quels sont les plus mauvais élèves, plutôt éditeurs ou producteurs? Je dirais que dans les grands groupes, majoritairement, il n'y a pas de problème. C'est effectivement sur les indépendants, des jeunes sociétés qui avant étaient sous forme associative, où parfois, effectivement, il y a des erreurs manifestes. Et puis surtout, l'intervention de l'URSSAF du Limousin à partir du 1er janvier 2019 a considérablement changé la donne. Il faut voir quand même que dans les cursus de producteurs, dans les cursus d'éditeurs, ils ne reçoivent majoritairement pas de formation sur ces problématiques fiscales et sociales. Ouais. Donc, c'est important de nous dire voilà. ça. Et donc, il faut vraiment faire de la promotion là-dessus parce qu'au final, ils gèrent les indépendants comme n'importe quel indépendant. Il faut savoir qu'il n'y a que les auteurs qui ont ce statut complètement dérogatoire. Et c'est la raison pour laquelle vos interlocuteurs parfois patougent. On constate aussi que les précomptes peuvent être faux. Bien vérifier ces taux de précompte parce que souvent, d'une année sur l'autre, comme les taux ont changé, très souvent, on a parfois encore des modèles de notes de droit d'auteur qui remontent à il y a 10 ans avec des taux. Même la base de calcul de la CSG et de la CRDS est fausse. J'ajouterais que sur la TVA, quand vous êtes en BNC et que les éditeurs vous reversent les 0,8%, on a rediscuté avec Catherine, mais normalement, vous ne déclarez pas aux impôts ces 0,8% supplémentaires. Oui, c'est que dans la catégorie des éditeurs. Presque systématiquement, on va vous dire que vous devez la déclarer. Vérifiez que l'éditeur, la Sophia, etc., va vous dire que vous devez déclarer tant, alors qu'il faut déclarer le brut hors 0,8% de TVA.
par définition, sur les relevés que vous avez eu, les récapitulatifs annuels où l'éditeur vous dit vous devez mettre tel montant dans telle case, je préconise quand même de recalculer. Alors, qui fait que ça ne s'impliquait pas autre mesure, ce qui fait qu'on se rend compte que c'est en fait, si on est obligé de tout vérifier. Oui, non, mais c'est malheureux. Hein, mais les précomptes, etc. Là. Oui. C'est alors, désespérant un peu. Juste pour autant payer directement ses cotisations. Soit voilà, juste pour rassurer les éditeurs qui nous voient, moi j'ai un tableau Excel où je mets mon brut au fur et à mesure de l'année. Et quand j'ai reçu ma déclaration d'impôt, j'ai pris la petite case, je l'ai remise dans mes impôts et j'ai eu fini ma déclaration d'impôt. Voilà, donc je ne me suis pas posé de questions de vérifier ce que me disaient les éditeurs, etc. Je fais confiance à ce que j'ai compté dans l'année. Oui, mais tu as retiré tes cotisations sociales déductibles quand même. Ben non, puisqu'en micro-BNC, c'est pas... Ah, t'es en micro-BNC, oui, en micro-BNC, voilà, non. Non, mais oui. C'est là où c'est plus simple aussi de déclarer en micro-BNC, puisque là, tu mets toutes tes recettes et puis c'est tout. T'as pas de questions à... pas de déduction à faire. Alors que si t'es en TS, là, pour le coup, tu dois vérifier que ce que t'ont dit les éditeurs, les producteurs, les OGC, ne sont pas plantés dans le montant imposable. Absolument. Et comme ils ne savent pas forcément si vous êtes en BNC ou en TS, en micro, etc., et que la base varie selon le régime fiscal qui a été choisi, ben forcément, leurs évaluations peuvent être légèrement faussées. Est-ce qu'on a éclairé les auditeurs qui nous regardent ? Alors justement, nous avons une dernière question importante que je souhaiterais poser avant la fin de ce live. Comment ça marche pour une bourse ? Est-ce qu'une bourse est exonérée de TVA ? Faut-il faire une facture quand on touche une bourse ? Par exemple, je ne sais pas, du CNL, du CNC, etc. Alors, je reprends très rapidement. La TVA est soumise à TVA une somme qui est versée en contrepartie d'une prestation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une contrepartie systématiquement. Une bourse, lorsqu'elle est octroyée sans contrepartie, n'est pas censée entrer dans le champ de la TVA, mais constituer un revenu imposable. Alors, qu'est-ce qu'une contrepartie dans ce cas-là ? Parce que... Une cession de droit d'auteur, par exemple une exploitation, la remise d'une œuvre. Si par exemple vous percevez une bourse et qu'en contrepartie vous devez remettre l'œuvre pour qu'elle soit exploitée par l'organisme qui a attribué la bourse, on est dans une contrepartie, donc normalement elle entre dans le champ de la TVA. Ce qui est un peu plus complexe, par exemple, dans cette question-là, c'est pour les bourses de résidence. Oui, c'est parce ce que j'allais dire. Parce que, effectivement, le principe général, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de contrepartie, c'est exonéré de TVA. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. À part ça, c'est un revenu professionnel, donc c'est imposable, il n'y a pas de problème non plus. Et dans les bourses de résidence, on sait bien qu'il y a à la fois quelque chose qui est sans contrepartie, on vous verse tant pour venir en résidence et pour que vous réfléchissiez à vos œuvres et tout ça. Et puis souvent, dans les résidences, on dit « oui, mais alors quand vous viendrez en résidence, il faudra aller voir tel et tel public pour présenter votre œuvre, enfin bon, faire d'éducation artistique et culturelle, je dirais. » Et là, vous choisissez, voilà. Donc là, il y a une contrepartie. Et donc, c'est important dans les contrats de résidence que les deux sommes soient dissociées, en fait, parce qu'il y en a une qui est sans contrepartie et une qui est avec contrepartie. Et pour compléter notre réponse commune, naturellement, pas de facture à partir du moment où la bourse est exonérée de TVA. Donc, même si elle constitue un revenu imposable, effectivement, la facture doit être émise uniquement lorsqu'on est dans le champ de la TVA, en réalité. Donc, pas de facture si la bourse n'entre pas dans le champ. Eh bien, merci énormément pour toutes ces questions qui ont été nombreuses et très techniques et précises. Notre live touche à sa fin. Merci vraiment à vous trois d'avoir été présents et d'avoir éclairé nos lanternes. Alors, je sais que c'est un live très technique, mais d'un autre côté, c'est difficile sur un sujet aussi complexe. On l'a vu de prendre des questions très, très larges. Vous avez eu la petite vidéo explicative sur ce sujet. Et je pense qu'on aurait matière à faire d'autres lives sur cette thématique, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions en fait très pratico-pratiques. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers le syndicat qui peuvent aussi vous renseigner. Et vraiment Stéphanie, merci pour tes éclairages qui étaient lumineux. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation de la Ligue. C'était vraiment un vrai plaisir d'intervenir parmi vous et j'espère avoir éclairé un peu
la lanterne. Et c'était passionnant de confronter nos pratiques à tous. Parce que nous avons déclenché des passions pour la fiscalité. Passions pour la fiscalité. Pourquoi pas ? Abonnez-vous au magazine Passion Fiscale. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour un prochain live.